Margoton, la jeune bergère, trouvant dans l'herbe un petit chat qui venait de perdre sa mère, elle adopta. Elle entr'ouvre sa collerette et le couche contre son sein. C'était tout ce qu'il avait, pauvrette, comme poussin. Le chat la prenant pour sa mère, se mit à têter tout de go. Et mais Margot le laissa faire, brave Margot. Un croquant passant à la ronde, trouvant le tableau peu commun, s'en alla le dire à tout le monde, et le lendemain, quand Margot dégrafait son corsage pour donner un coucou à son chat, tous les gars du village, et Margot qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village, Maître d'école et ce potage, le maire, le bonneau, Goulia, négligé car il en otage pour voir ça. Le facteur d'ordinaire si preste pour voir ça ne distribuait plus les lettres de personne au juste d'Aurélie. Pour voir ça, il leur pardonne les enfants de cœur au milieu, du saint sacrifice abandonne le Saint-Lieu. D'armes, même les gendarmes sont par nature si ballons, se laissaient toucher par les charmes du joli tableau. Quand Margot dégrafait son corsage pour donner un coucou à son chat, tous les gars du village, et Margot qui était seule et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village, et les autres femmes de la commune, privées de leur époux, de leur galant, accumulèrent la rancune patiemment. Puis un jour, ivres de colère, elles s'armèrent de bâton, et farouches, elles immolèrent le chaton. La bergère, après bien des larmes, pour se consoler, prit un mari, et ne dévoila plus ses charmes que pour lui. Le temps passa sur les mémoires, on oublia l'événement, seuls les vieux racontent encore à leurs petits enfants. Dégrafait son corsage pour donner un coucou à son chat. Tous les gars du village, et Margot qui était simple et très sage, présumait que c'était pour voir son chat. Tous les gars du village étaient là.